retrouve pour le bilan lecture numéro 4. Aujourd'hui, un shoujo, un seinen et 4 shonen. Ouais, on déroge pas au fait que j'adore les shonen. On commence avec le shoujo qui est un one shot. Il s'agit de Pourquoi je galère toujours en amour de Kiyoko Maki aux éditions Akata. Donc c'est un livre que j'ai emprunté tout simplement. C'est un one shot qui me faisait vraiment de l'œil, que j'avais entendu parler, il y avait eu de bonnes critiques et j'avais vraiment envie de le lire, et quand j'ai eu la bibliothèque j'ai dit bah je ne passerai pas à côté. Donc en fait tout simplement dans ce one shot, en fait ce n'est pas un véritable one shot, c'est un one shot où il y a 6 one shot. En fait ça raconte l'histoire de 6 filles. Alors il y a donc 6 personnalités. Hop, je vais vous montrer un petit peu les pages des chapitres. Donc il y a la fille trop bonne copine, la fille trop sérieuse, la fille trop parfaite, la fille qui fantasme un peu trop, la fille trop fun girl de l'extrême et la fille trop ordinaire. Voilà, donc voilà, donc en fait on découvre chacune des filles avec ses défauts et ses qualités. Pour ma part, mon préféré était donc la bonne copine que je vous montre là, parce que c'est celui que j'ai trouvé le plus mignon et le plus drôle. Mais ils étaient tous bien dans l'ensemble, même si au bout du 4e, 5e, ça commence à faire vraiment de la répétition. Parce que elle a toujours donc un mec qui soit son meilleur pote, soit un mec pouf rencontré comme ça. C'est super sympa de les voir qui tombent amoureux, mais entre le fait que c'est extrêmement rapide, parce que déjà dans un one shot il n'y a pas le temps de raconter beaucoup, mais dans ce petit truc là, vous imaginez qu'il y a 6 histoires, ça fait pas énormément de pages, et c'est vrai qu'on arrive vite aux conclusions de l'histoire et tout ça. Je pense que ça aurait mérité de réduire le nombre, de garder peut-être la fille trop bonne copine, la fille trop fun girl, la fille trop otaku, et la fille trop sérieuse, et d'en faire peut-être une série de 3 ou 4, ouais 2 ou 3 même, c'est pas forcément très long, mais par exemple de les inclure dans le même lycée et de faire une petite histoire comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment court, ça va vraiment vite et c'est un peu dommage sur ce point là. Je vais vous montrer aussi donc les garçons que vous avez là, et il faut savoir que donc le préposé à la sérieuse et le préposé à celle qui fantasme sont jumeaux, c'est l'auteur qui nous le dit, voilà, mais il n'y en a aucun mot dans les histoires et tout, et ça aurait pu être sympa de développer aussi ce côté là. Donc autant j'ai adoré au niveau de l'histoire, au niveau du message qui est de s'affirmer, de comment on est et qu'on trouvera forcément quelqu'un, voilà, on trouvera chaussure à notre pied. Mais j'ai trouvé vraiment dommage que ce soit vraiment court et un petit peu répétitif sur la fin. C'est la seule chose que je peux reprocher à ce one shot. Je ne suis pas très très one shot, j'en ai que très peu dans ma collection. Je dois en avoir 3 grand maximum. Et c'est vrai que je trouve que c'est trop court pour celui-là. On passe au seinen, il s'agit du tome 5 du maître des livres, Uma de Umiharu Shinora, aux éditions Komiku, voilà. Donc c'est un manga dont je vous ferai vite le synopsis, vu que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne actuellement. Donc en fait on suit les aventures des employés et des clients d'une petite bibliothèque pour enfants qui s'appelle La Rose Trémière. On a son chef, le bibliothécaire en chef, quoi, qui s'appelle donc Moki Shoba, qui a une coupe à champignons, donc c'est le personnage que vous voyez là, qui est bigleux, mais c'est vraiment un connaisseur de livres extraordinaire, mais on l'appelle tous tête de champignon. On suit aussi donc Madame Aoi, donc je vous montre la quatrième de couverture où elle y est, qui est donc la propriétaire de la bibliothèque La Rose Trémière. Donc dans ce tome là, donc je vais vous montrer les graphismes qui sont très sympas, je trouve, au niveau à regarder, un petit peu différent, un style calme, posé, parce que là vous aurez pas de fight, hein, c'est sûr, on est dans une bibliothèque et tout ça. Alors je vais passer sur les petits chapitres que je dirais normaux, c'est-à-dire les premiers chapitres ce sont sur une petite fille qui s'appelle Rika, si je me souviens bien. Hop, vérification rapide. Risa, donc voilà, je voulais les images un petit peu de couverture, il n'y a pas de page couleur. Donc on suit un petit peu les aventures de Risa au travers de sa bibliothèque, en dehors un peu de la bibliothèque. Elle rencontre des personnages qu'on a déjà vus, donc c'est un peu des classiques, ou alors une personne qui cherche un livre en particulier, tout ça.
Donc ça, c'est des classiques et je ne vais pas évoquer ces chapitres-là, mais plutôt les chapitres centraux qui se passent au niveau de la jeunesse de Madame Aoi. Donc c'est comment est-ce qu'elle a découvert les livres pour enfants, comment est-ce qu'elle s'y est mise. Et principalement, j'ai adoré le contraste que c'est dans une époque où généralement les femmes devaient se marier et être femmes au foyer plutôt que faire des études. Il y en a certaines qui faisaient des études. Mais c'était encore la période où beaucoup voulaient caser leur fille et puis c'est tout quoi. Et j'ai trouvé très intéressant de faire le parallèle entre donc cette époque-là et cette mentalité-là et les livres qui étaient au même moment. Et c'était très très intéressant à lire au niveau de son passé, au niveau des connaissances qu'elle avait. Et je trouve ça très intéressant ce parallèle entre avec cette période-là. Je me suis pas du tout ennuyée. Alors pendant les flashbacks de la jeunesse, je suis là, oh mon Dieu, non, s'il vous plaît. Mais là, c'était vraiment très très intéressant de lire ça, de voir un peu comment elle a réagi dans sa jeunesse face à ça. Et sur le dernier chapitre, on a l'apparition d'un nouveau personnage. Donc je pense que ça va être un petit peu un ennemi de tête de champignon, mais je ne suis pas sûre. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un qui a fait les cours de bibliothécaire, enfin, la formation pour être bibliothécaire avec lui, et il est un peu déçu quand il voit que Moishitoba, qui était meilleur que lui, qui était vraiment excellent, se retrouve dans une toute petite bibliothèque uniquement dans le genre des enfants. Donc voilà, donc ça crée quelques tensions et apparemment ça fait beaucoup réfléchir Moishitoba. Moki, bon, tête de champignon, c'est trop compliqué son nom, c'est pas grave. Donc voilà, donc très très bon volume. Le tome 6 est déjà sorti. Le tome 7 sort, je vais regarder mes affiches. Donc le tome 7 sort le 17 mars, donc très bientôt. Il y a actuellement 11 tomes en cours au Japon, donc ça promet une série un petit peu longue quand même. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer quelques petites images parce qu'elles sont vraiment très très sympas. On reprend avec les shonen. Alors oui, je dis on reprend parce que j'ai dû aller chercher un colis en plein milieu de ma vidéo, donc si le cadre a un petit peu changé, si la luminosité a changé, si mon œil a essayé de faire de la merde aussi, c'est normal. Donc on se retrouve avec les shonen et forcément au mois de janvier, au mois de février, c'est bien, je me rappelle plus tous les mois de l'année, je ne peux pas passer à côté de Black Butler, vu que c'est mon manga favori. Donc Black Butler de Yanan Toboso aux éditions Kana, donc c'est le 21, il faut savoir que le 22 sort le 24 juin. Donc c'est-à-dire dans plus de 4 mois après la sortie de celui-là. C'est vraiment extrêmement long en sachant que le 22 est déjà sorti au Japon. Donc voilà, donc avec Bard en image de couverture. Bon ben, le DR de Black Butler est très classique. Je vous montre l'image couverture un peu parodique qu'il y a sous chaque tome de Black Butler. Hop. Voilà, je me bats un peu avec la jaquette mais tout va bien. Je vous montre bien sûr l'image couleur non couleur, ouais c'est comme ça que j'appelle ça. Parce que les images de Black Butler sont toutes en noir et blanc avec juste quelques petits éléments qui ressortent d'une couleur. Donc là c'est le jaune et je trouve ça très sympathique ces petites images comme ça. Donc ensuite on a bien sûr les illustrations de chapitres qui sont tout simplement magnifiques. Les dessins ont été magnifiques dans ce tome. Alors dans ce tome on est toujours dans l'arc de la sorcière verte. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas l'arc, je ne vais pas l'expliquer parce qu'il va falloir que je spoil 10 000 trucs, c'est extrêmement long à expliquer. Donc voilà, j'ai envie de vous dire juste lisez les tomes et chaque arc de Black Butler est tellement extraordinaire et tellement plein de rebondissements et de spoils que je ne peux pas vous les expliquer malheureusement. Donc dans ce tome là, donc on continue sur l'arc de la sorcière verte, mais principalement ce qui m'a énormément plu dans ce tome là, donc là je vous montre une de mes images favorites du tome. C'est qu'on retrouve les... pas les majordomes, les serviteurs, voilà, donc comme Bard, de la maison Fantomite, qui sont totalement badass, hein, les quatre. Oui, je dis bien les quatre, vous comprendrez si vous lisez le tome, et j'ai vraiment adoré parce que ce sont des personnages vraiment très très attachants, que j'aime beaucoup et qui sont juste trop stylés. On continue dans l'arc, bon bah on avance dans l'intrigue, dans les personnages et tout ça, et c'est vraiment très intéressant et très bien écrit comme d'habitude. On rencontre particulièrement deux nouveaux Shinigami, parce que dans l'arc de la sorcière verte, ils sont en Allemagne, donc ils rencontrent deux nouveaux Shinigami allemands, et je me dis que si on les voit, c'est pas pour rien, je pense qu'il va y avoir quelque chose avec ces deux Shinigami, donc j'essaie de vous montrer, bon là je suis tombée sur une illustration, donc... quelques images au niveau du graphisme de Black Butler qui est toujours parfait pour moi.
Donc voilà, on en apprend en plus un peu sur l'histoire de Fignani, donc l'un des domestiques de Ciel. On en apprend aussi sur le père de Ciel. Donc, c'est vraiment un tome qui est complet. Comme d'habitude, des rebondissements, de la magie, du fight, du mystère. Voilà. C'est super impressionnant parce que je pensais pas que cette arc-là allait partir dans ce délire-là. Sincèrement, parce que quand on parle d'un arc de sorcière avec des loups-garous, que ça parte comme ça, c'était tellement inattendu. Le tome 22, il faut savoir que ça conclura l'arc de la sorcière verte. Donc j'ai vraiment envie de savoir la véritable conclusion de cet arc. Mais aussi de voir quel va être le prochain arc en fait, tout simplement parce que chaque arc de Black Butler est totalement différent des autres. Est-ce que ça va être un arc long, est-ce que ça va être un arc court, donc j'ai vraiment hâte de savoir et de lire tout ça. Ensuite on parle du tome 11 de Assassination Classroom de Yusei Matsui aux éditions Kana toujours, donc là c'est un tome emprunté comme vous pouvez le voir avec les étiquettes un petit peu partout. Donc le tome 11 de Assassination Classroom, d'ailleurs pour ceux qui suivent la série, sachez qu'elle est quasiment finie en scan et que l'animé, donc la saison 2 de l'animé, a l'intention de faire la vraie fin, donc de boucler la fin du manga et comment expliquer, la fin de la saison 2 de l'animé de Assassination Classroom sera la même fin que dans le manga. Voilà pour faire ça. Donc là on est au tome 11, il reste 5 mois pour tuer leur professeur alien à tentacules. Hein. Ouais bah Koro-sensei, très compliqué. Je vous montre quelques petites images. Le tome 12 sort le 8 avril et il y a déjà 17 tomes en cours au Japon, donc on a quand même pas mal de tomes de retard, donc on a le temps. Hein. Voilà, donc dans ce petit volume, il s'est passé plein de choses. Tout d'abord, pour le premier chapitre que j'ai tout simplement adoré, il s'agit donc d'un chapitre où les élèves doivent communiquer par des noms de code. Et je vous en ai noté quelques-uns, parce qu'ils étaient vraiment sympas, donc je vais essayer de vous laisser découvrir à qui ils appartiennent. J'ai noté Perche, la tireuse pimbèche, fillette, bilingue et bisexe. Les deux derniers me font plutôt rire, c'est parce que je sais à quel personnage ils correspondent et c'est vraiment très très sympathique de voir ça, donc voilà, c'est un petit chapitre assez drôle. Ensuite on passe, donc il y a la fête du sport au lycée, bien sûr la classe A et surtout Asano ne manque pas cette occasion pour essayer de ridiculiser et mettre plus bactère la classe E. Donc ça va se jouer à une épreuve à l'épreuve du poteau, en gros il y a un poteau et ils doivent tenir quoi. La classe E sont à peu près 13 élèves et la classe A 26, je sais pas si c'est exactement ces chiffres là mais au niveau de l'échelle d'effectifs c'est comme ça. Dire que la classe A a le double des effectifs de la classe E. Et en plus la classe A, Asano a décidé de faire venir en stage des professionnels du karaté devenus des États-Unis, du judo devenus de je sais pas où, de Russie. Enfin en gros il a essayé de mettre le paquet, donc c'est vraiment un petit peu une petite guéguerre qui s'est passée pendant cette fête du sport. D'autres trucs assez marrants aussi, donc vraiment super sympa. Ensuite on va passer au dernier chapitre qui est pour moi le plus intéressant dans cet arc là, tout simplement parce que en fait ils veulent s'entraîner, il reste plus que 5 mois pour tuer donc leur professeur, et ils veulent s'entraîner sur le chemin de l'école avec un espèce de free jump, enfin en gros c'est la manière de sauter un peu partout et de courir un peu surtout. Que leur a appris leur professeur de sport, je ne sais plus le nom alors que j'aime bien ce personnage. Mais voilà. Donc du coup, ils essaient de faire ça sur le chemin de l'école et malheureusement ils créent un accident et blessent quelqu'un. Donc ils doivent prendre leur responsabilité. Et dans ce chapitre-là, d'un ils prennent leur responsabilité alors qu'ils sont en pleine période d'examen. Mais en plus on voit qu'ils allient ce qu'ils apprennent avec l'assassinat, avec ce qu'ils apprennent à l'école pour pouvoir aider les autres. C'était vraiment très 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 intéressant je trouve ce chapitre-là. Voilà, c'est... Ah oui, il y avait un petit chapitre aussi, justement là je tombe dessus, sur Isogai. Mais ça fait un peu partie de la fête du sport. Donc. On passe à mon petit... On passe à mon deuxième petit chouchou là, qui arrive en plus ce mois-ci. Donc il s'agit de Servamp, le tome 8 de Tanaka Strike aux éditions Doki Doki. Donc voilà, le petit Servamp tranquillos. Ouais, c'est passé beaucoup de choses dans ce tome, je vous l'annonce tout de suite.
Alors je vais vous montrer l'image des extractions parce que je la trouvais très très jolie sur un thème un peu Halloween. Voilà, donc Doki Doki nous offre des illustrations en page couleur. Autre chose à remarquer aussi, en couleur, on a la pub pour les 4 tomes de Black Bullet. Et franchement, cette pub en couleur m'a tellement donné envie que je me demande si quand les 4 seront sortis, je n'essaierai pas de me les procurer. Voilà, donc pour les pages couleur, c'était tout. Donc dans ce tome là, donc on retrouvait Tsubaki face à Koro. Donc Koro qui... Kuro, pas Koro, c'est voilà, c'est parce que j'en parle d'association classroom, donc ça certains chiffres étaient dans mon cerveau. Donc voilà, donc on a le serment de la paresse qui se bat contre Tsubaki et qui décide de prendre son rôle de grand frère au sérieux. Je dis ça parce que tous les servants l'appellent grand frère, donc je suppose que c'est peut-être le premier-né, on ne sait pas trop. Et donc il essaye de discuter avec Tsubaki, il y était presque, il a presque réussi quand le C3, donc une organisation censée être neutre et censée faire tampon entre les humains et les vampires, arrive et décide de tout fracasser littéralement. Voilà, donc vous avez un membre du C3 ici qui est très 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 intéressant. Je me souviens plus de son nom mais je l'ai noté, donc il s'appelle le Tsuguru. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'intrigues autour de ce personnage dans ce tome là qui a été annoncé. C'était vraiment très intéressant. Et ben, je l'aime pas déjà de base, mais je le trouve assez intéressant comme personnage. Et là, donc tous les servants du côté un peu gentil sont réunis dans la même ville, alors que ce n'était pas produit depuis qu'ils avaient dû tuer quelqu'un d'important, enfin décider de tuer une personne très très importante. J'espère que vous voyez bien les graphismes qui sont vraiment superbes. Mais la plupart des servantes que l'on connaît, donc on a donc la paresse, l'avarice, il me semble qu'on a la luxure, ils sont un peu aux mains du C3. Donc moi je trouve que c'est vraiment un peu une captivité, parce que je les aime pas, donc du coup moi je les considère comme des méchants. En fait ils sont dans leurs locaux et puis ils vont devoir les aider un peu de force, mais voilà. Donc je ne sais pas trop quoi dire de plus dans ce tome-là sans trop spoiler. Il y a juste un petit détail qui m'a assez choquée. Pour ceux qui ont vu Owari no Seraph ou Seraph of the End, là, donc là vous avez donc Tsuguri et là vous avez donc Maori. Et ces tenues-là, ces deux tenues blanches et noires me font extrêmement penser aux tenues que portent Mika et Yui. Ouais, Yui je crois. Quand ils sont... enfermé par les vampires en fait au tout début de l'œuvre. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais pour moi ça me fait extrêmement penser à ça. Je pense qu'il n'y a aucun rapport, mais c'est juste un petit truc comme ça. Voilà, je vais vous montrer quelques petites images. Donc superbe tome. Donc on n'a pas de date pour le tome 9. Il me semble qu'on a rattrapé l'apparition japonaise. Le tome 9, donc dans le manga, à la fin ils disent le deuxième trimestre de 2016. Mais il n'y a pas plus d'informations pour l'instant. On se retrouve pour le dernier shonen. Il s'agit donc de Nomoragami, le volume 5 de Adachitoka. Voilà, lui, il joue de connexion. Donc de Pika Edition. Donc c'est un tome que j'avais énormément de retard. Donc ce mois-ci j'ai acheté le 5 et le 6 de Nomoragami. J'ai lu que le 5 pour l'instant. Voilà, donc dans ce tome-là, donc toujours les couvertures super belles. Vous avez une image couleur à l'intérieur du tome et que je trouve magnifique. Voilà, on n'a pas grand chose. Donc on se retrouve en plein dans l'arc Bishamonten. Commence vraiment à rentrer dans les fights, à voir Bishamon et Yato se friter littéralement. On découvre leur passé commun parce que oui, Bishamon ne le déteste pas pour une raison obscure ou juste parce qu'il se balade en survette. Voilà, il faut savoir aussi que Kazuma et Iori, il me semble, j'ai un peu trop comment se prononce son nom, vont avoir un rôle très très important. Bon bah mon Kiyukide aussi, qui est un de mes personnages préférés, va se mettre au taf. Donc on finit sur un gros cliffhanger à la fin de ce tome 5. Donc si vous avez vu l'animé, si vous avez lu le tome 6, enfin tome 5 et plus le tome 6, ça va, vous ne serez pas trop choqué, vous savez, mais voilà, donc ça c'est un passage que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, super petit tome 5. Il me semble que je vais avoir de la nouveauté à partir du tome 7, parce que c'est à partir du tome 6 que je me suis arrêtée la lecture en scan.
Voilà, j'ai ce bilan lecture est fini. J'espère qu'il ne sera pas trop décousu parce que entre moi qui vais aller chercher un colis, mon chat qui m'a pété un câble, ma caméra qui m'a aussi pété une durite, voilà, c'était un petit peu compliqué de tout tourner, mais j'espère que ça me plaît quand même et je vous retrouve au prochain bilan lecture.